Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite. Tali politique ya République démocratique du Congo bisika to vanda rapport na ko réfléchir rendez-vous des patriotes ndenga na lobaka yango to yaka pona ko kanisa maima tali bongo mboka Congo pe développement ya mboka na biso na basango selon rapport moko IGF pesaki Chine a exploité ba ressources ya RDC na valeur ya 10 milliards de dollars en contrepartie ya à Tongi, infrastructure kaka estimé environ 8 millions de francs congolais. Inspection générale des finances a dénoncé Bongo dilapidation de minerais de la RDC à Sengi rétablir contrat topi ba revisiter ango pour na kota la nyoso et taliba intérêt à République démocratique du Congo. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo koma kilobi eleki na pourquoi na Addis Abeba pour na comprendre par topico au sangana na 36e ensemble général ya Union africaine au kofonga bongo mokolo ya lobby samedi 18 février 2023 CENI annoncé pour ce vendredi 17 février na 17h fermeture ya ba centre d'enrôlement na première ère opérationnelle aux ezali ko compté 10 provinces mais contenu ya ba difficulté il y a fonctionnement au Yobaï qui peut basse sous basoua qui a tel ici que période il y a rattrapage qu'au sale et manaba centre misousou casilobie les qui opération d'enrôlement et à troisième ère opérationnelle et fonds qui n'a pas province et ça particulièrement à est il y a République démocratique du Congo selon ma formation bah centre et fonds qui n'a goma par exemple bas de rôle qui casina bas centre mon sous n'a ben ni pe ba esika eza okipe na ba rebelle ya 123 kuna vraiment nano opération yango et bandi malam malam te kasi gouvernement atali saki biso ki a su ba disposition nyonso pona kosala ete bayike o bazali na kati ya bisika wana o ezali okipe na ba rebelle topé bon na bongo ba s'enrôler lolenge et sengeli kasi seni azali ko se féliciter na mosala o esalemi jusque la question électorale processus électoral to komi wapi est-ce que tout ça sur la bonne voie faut ko loba que ba politique mususu ba boyi yango banda ki sa bande kwa PPRD lisanga FCC bazali d'accord te na yango kasi est-ce que tous ali ko kene malamu tito koma le 20 décembre est-ce que élection ezali clair que to kozo yango eza moko ya mituno to komi tuna na vendredi alelo pe li susu agression rwandaise quid sur la guerre médiatique finalement to moni ndenge bakangi ba radio mususu na ngambo ya est surtout na ba territoire occupé na ba M23 to moni publication to pe communiquer à CSA ko atelemela ki likambo yango to kolobelango place to pe role ya media na tango oyo to zalande ko Simeon Isako azali journaliste moko ya bapandisango akenda pentsango na mboka na biso excusez na pona tautologie to koki déjà ko rejoindre biso mo na mboka to kosoa nayo ba question etali bongo guerre médiatique mo na beaucoup déjà qu'on rejoindra Bissot en beauté pe boye bolam beauté mon pansi sango maman Naomi sur la kobe na bongo beauté na ba congolais nyoso ba kolanda Bissot na ngongayi
na sepeni mingi pour l'invitation na yo ezambala nanga ya liboso ya ko participer na ya émission na yo na sepeli makasi pour na ngongo to ko lekisawa pour na ko réfléchir sur des sujets d'actualité. Oui, ça les canaux n'ont pas connu ça. Merci beaucoup de continuer ça pour la Congo et Ambio et Zamba et Boso. J'espère que Zamba a soukaté. Réfléchir sur la question Italie Bongo, République démocratique du Congo, clôture et enrôlement en première ère opérationnelle dans ville à Kinshasa. Seigneur, c'est félicité Nango. Kasi, est-ce que vous allez Paris gagner pour la centrale électorale pour tout le monde dans les qui vont boutou boutou tant au enrôlement surtout à Kinshasa? Vous savez, moi, l'ingala n'angéza moi kokoson, bah baza kula na biso na yomoko boka ko limbisangai. C'est ni azwaka ton ébilité. D'abord, il y a sensibilisation, il y a bah électeurs pour que bah congolais bah kuka ko s'enrôler massivement comme il se doit. C'est ni pe azwaka ton ébilité pour na kuka ko tester bah kit. Oyo serva qui bisopo na enrôlement. Donc première ère opérationnelle oyo ça allait constituer na 10 provinces Kinshasa, Congo central ainsi que d'autres provinces. C'est ni azwaka yango ndeti ba zone pilote. Okay. Donc place oyo bakoka ki ko sala bazo détecter ba faille pour que bakoka ko bongisa de sorte que tant que vous avez la même opération, que vous avez la répercuté, vous avez l'air moussoussou, et que vous avez salement, kitoko sans bah, difficulté. Et donc, il y a un des salements qui, bah, erreur, ils ont été détectés au fur et à mesure, et puis, bah, ils ont été retrouvés, bah, solution, na bah, di, bah, bah, erreur, wana, bah, difficulté, wana, bah, bah, problème, wana, jusqu'à ce que nous sommes partis des erreurs à l'amélioration. Processus c'est s'améliorer qui n'a soukawa et à ce stade nous pouvons féliciter la CENI pour la moussala ou salemi na première ère opérationnelle même si dans une an ba chiffre exacté il y a ba enrôlé combien ont été enrôlés mais déjà avoir bilan à mi-processus, n'engue ba pesa ki yango et pas ya rapporteur ya Sénine de Copatrician Seya, c'était déjà quelque chose à féliciter, c'était déjà un pas. Et tant ba yako bakisa, Mikolomisi sous 25 jours, si je ne me trompe pas, ça voulait dire que tous les attendus pouvaient se faire enrôler. Donc à ce stade, tous les bilan, chiffres, na lingana loba, ou Sénine a copé sa biso pour que tout kokakoye ba, combien était attendu et combien se sont fait enrôler pour la première ère opérationnelle. Ce n'est qu'à l'issue, il y a étape wana, ça a été une réussite. Mais déjà, avoir les choses, ça a été une réussite, pour que tout le monde se regarde davantage. Le problème est allé. Le problème est allé. Dans le sens, il y a les chiffres dans le lobby, dans les oppositions, mais il y a des chiffres qui sont africains. Il y a 30 jours, toujours, il y a tout le monde qui est, il y a 25 jours, et il y a des chiffres qui sont vraiment ébellés par rapport à ce qui est mis au niveau de la CENI, malgré que ce qui est mis au chiffre, il y a sauté. Et ça, les ménages, les majeurs, et ça, les ménages, c'est déjà un problème. Avant qu'on réponde, il y a Moutouna Wana. Nazaliko, je l'ai d'abord mon exemple moko. Il y a les Kambo et les gars qui na Kwilu, na Masimanimba. Ils sont nos trois qui ont été bakangaki, de quoi nous sommes au Mobali. Bah monsieur sur Nazaliko le baki aza collaborateur, il y a ministre, il y a na bossa ni comment na intégration régionale ou quelque chose comme ça. Didier Mazinga, à moins que je me trompe, bakangaki collaborateur na moko avec 300 cartes d'électeurs. Des cartes vierges. Azala ki kosala na yango nini? Abano mima yango wapi? Abano mima yango wapi? Azo mima yango wapi? Pourquoi il est en possession yaba karta wana? Intérêt na ezala ki nini? Donc, na lingina mema bao baza kola na biso, na ngonga i, na idée telle que ba comprendre que makambo yaba chiffre, yaba enrôlé, Ningé bato basa ko lobayango
Non, je suis Frédéric, et ça, c'est bon. Tout le monde a raconté. Il y a des acteurs politiques, des politiciens véreux qui ont voulu suyer les processus, qui ont voulu suyer les opérations d'identification et d'enrôlement. Vous vous imaginez de quoi, il y a 300 cartes, il a réussi à obtenir ça dans le centre d'inscription. Ça voudra dire que nenge a zwa ki occasion ya kobimisa ba carte wana akoka ki pe kozwa occasion ya kobimisa machine moko abimi na yango akayi amani ko role ba to côté. Cela va faire que ceux qui par exemple na masimanimba bazali kozela 1000 enrôlés mais ndeko wana parce que azana machine na ye oyo ayibi parce que ba carte wana pa yibaki yango azana machine na ye mosusu ayibi. À quoi faire enrôler 300 personnes ou ana, au lieu de 1000 enrôlés, na masimani ma toroko wana 1300 enrôlés. Chiffre mati. Wana bakolo banini. Fraude. Bako konane batwa seni, bako konane ndeko deni kadima. Mais pas bimisango, et par ricochet. Par ricochet. Par ricochet. Bako konane. Mokambi amboka. Félix Tshisekedi bakolo bakazana kata ko préparer. Tricherie. Azana quand tu as préparé fraude électorale. Or, Eza bangote. Eza ba politicien véreux. Ba ou ba lingi ba salir processus. Ne ba salir ko sala makambo wana. Yangwane senge li bisonye so ba congolais. Ceux qui to lingi ke élection, eza la crédible. Eza la transparente. Eza la pesée. Qu'on ait des meilleures élections et histoire et en beau cannabis. C'est vrai que les bisounours sont congolais, tout ça la vigilant, tout ça les kenge. Tout y est bas côté là, na zone oyo, na contrée oyo, na circonscription oyo. N'ayez ni makambo, ezako leka. Tout ça la vigilant, tout ça les kenge, lissou, les couleurs lissou. Au moni, dossier y a beau de ne sait. Pour que tout quoi enregistré, makambo y a beau été. Et donc les kambo y a chiffre wana. Kaka nenge na lobaka bandeko ya opposition ba multipliera toujours ba prétexte. Eza musala na bango ya opposition yo omona wapi opposant a applaudir a lobaka makambo za otambola kitoko. Omona wapi? Mais l'élection est tribution opposant opposition comme majorité. Kasi ya mwana na koloba. Opposant ata soki likambo salemi kitoko. Akotika la jamais kondima. Ba opposant bango ya obana na biso baza kotanga. Ba classe ya ofele. Depuis RDC, tu as la RDC. Et ça, quand tu sais que tu as continué à pouvoir, en débat, tu as mis ton temps au filet. Tu as mis ton opposant pour applaudir. Attends, mon con. Ce qui est bien aussi, tu as mis ton temps. Attends, mon con. Applaudir. La salité. Tu as critiqué par contre. Par ailleurs, ça vous critiquez, parce que se lever quand il y a une faille, il y a une qualité. Mais qualité enseignement, il y a un peu de problème. Qualité enseignement, infrastructure, école, il y a un peu de problème. Nyo seza parfait, il faut qu'on dise mayango. Na lobite ke nyo seza parfait. Au moins, il réforme nyoso. Et loko bako benga réforme. Et ça l'aura toujours na début. Début na yango. Et ça l'aura toujours na tout ba problème. Yango nde toi ko connaître. Ba école les athées. Parce que to koutaka akoutaka mkozamboka Félix Tshisekedi. Akoutaka yango pété. Ma tata ponyo alé akamongo ya construction ya 1000 écoles. Et c'est ce qu'on a fait, le quoi a instauré la gratuité de l'enseignement. Et c'est ce qu'on a fait pour la construction de l'école. On est dans le cas de la construction de l'école. Tony Mwaba, la saké opération, moko pas une école sans banc. Azana kata koka baba bon, na ba école. C'est ça, nous sommes pour améliorer la qualité de l'enseignement. À lancer processus, il y a gratuité, à zali qualité, pour améliorer qualité enseignement. Parce que vous allez vous souvenir que la qualité de l'enseignement est Bessaki, pas dans le régime, mais Bessaki déjà bien avant. Tant que vous avez à qualité pour que la qualité enseignement et zonga, et zala kitoko. Congolais au kotanga awa na RDC sera bimili banda bandi ma niveau d'études naye, bandi ma capacité naye. Ni homo kozamboka, mokozamboka azali kosala. Et donc, politiciens, tant mon côté, il y a opposition, à quoi applaudir,
makambo oyo majorité azali ko sala etikala ko sala maté likambo wana ya ba chiffre gonflement et consort et ça va prétexte parce que ce que meki ko gratter ko landela moi moke ko mona ke ba opposant ebelé bazali préparer pona ma ponamité bango bazali ko lokande ba kené na dialogue yango wana osan ko mona bazako ko soulever makambo ya o et ke pia seni eza bien té ko constitutionnel eza bien té bazako gonfler ba chiffre tu sais que daza azali ko sala boye pour ka tricher Mais c'est sûr, Parlement a voté loi à répartition des sièges. Ceux qui va voter, ça voudra dire que Makamonyonso, Mibekonyonso, il fallait battre à la disposition à CENI et Koki. Donc, il y a une élection en 2023. Alors, vous allez compliquer, Nani. Expert, on a bien démontré, ils sont en quoi, ça sera compliqué. Et vous allez compliquer, Nani. Parce que, enrôlement, la première ère. Ça veut dire que le mois prochain, tu reçois ça, deuxième R. Le mois prochain, tu reçois ça, mois de mars. Tu reçois ça, deuxième R. En avril, au plus tard, mai, tu reçois ça, troisième R. En mai, au plus tard, juin, tu reçois ça, loi. Tu le bataba septembre, mai, au plus tard, juin, tu reçois ça, loi, il y a répartition, il y a siège. Ce que tu reçois, tu reçois déjà dans la loi, wana. Bas siège, la bas circonscription électorale, vous allez répartir sur base, il y a loi au Parlement, à Ropé Sabisoba Congolais. Baye Bissabiso Sukoyo, au regard, il y a bas date au CENI à fixer. Au regard, il y a Makamonenge et Zako s'est déroulé sur terrain. Qu'est-ce qui complique pour que tu aies une élection en 2023? Parce que CENI a déterminé. Mokonzambo a déterminé. Nayokaki. Que Mokonzambo a Yambaka batu ya CENI. Ayambaka mokambi ya seni. Ayebisaka ye. Instruction formelle. 2023 élection. Pas de glissement. Donc, mokonzambo kaza déterminé. Deni kadimana équipe na ye baza déterminé. Bango so ki baza déterminé pour kene na belection te. Ba se prononcer clairement ke bazo linga maponamite. Comme ça, ba trouver le bango solution moussousou. So ki, pour na bango, il faut que kene na dialogue. Ba se prononcer. Non, tu n'as pas élection, tu as préparé, tu as un dialogue. Et dans ces cas-là, il y a la violation, il y a la constitution. Très bien. Mais le col en Mokozambo, il a respectué la constitution. Bisoba Congolais, tu as le lobby, tu as un caca, tu as un caca. Attends, il y a une déclaration qui est en train de se faire. Il y a une déclaration qui est en train de se faire. FCC, tout le monde a été récemment, Martin Fayoulou, docteur Mukwege, il y a une déclaration sur il faut revoir beaucoup de choses. Il y a une déclaration qui est en train de se faire. Mais il y a une majorité qui est en train de se faire. Il y a une élection. Il faut revoir ma camarade Tinini. Il y a une autre chose. Il y a une cour constitutionnelle, qui sait qu'il y a une autre chose. Il y a c'est une bande qui a été créée. Depuis que tu sais que tu as un pouvoir, tant que tu as un pouvoir d'abord, tu as un juge qui a été créé. Tu as un juge qui a été créé. Ça veut dire que tu as un juge qui a été créé. Tu sais que tu as un juge qui a été créé. Et Zakara Bandeko, Kabila Koutaka, tu sais que tu as un appareil judiciaire. Appareil judiciaire ou Kabila Tikaki. Bah, on a dit que tu sais que tu as un travail dans le bango. Tu sais que tu as un Tikali Koyana Moutouté. Tikali Koyana Moutouté. Ya, on a dit que Makamo Yakolobaki, ya Tché Batonaye, ya Tikala Koyana Moutouté. Bato, basa place, wana basa ba Congolais. Ils ont les mêmes droits que Ngai, que Yo, que Fayoulou. Que Mukwege, que Matata, que Katumbi. Bazana même droit que Bissonyoso. Et ils ont le droit, il y a quoi assumer ma poste,
Namboka na biso constitution interdire ata moto moko. Constitution interdire ata moto moko. Et donc baza batu na yete baza ba congolais akutaka bango na appareil judiciaire. Yete nda koti se bango na appareil judiciaire akutaka bango. Na kati appareil judiciaire. Seni ikamo ya seni. Dekodeni kadi meza chi seke dinda chayete. Dekodeni kadi maba votaka ina ba confession religieuse. Parce que mibe kona biso eza kope sa pouvoir ya ko désigné président ya seni na ba confession religieuse. Yango wana. Parmi les 8 confessions religieuses auto zana ngo, ba baza ko constituer nini wana il fallait voter président ya seni na ba membre mususu 6 ba vota kan de kodeni kadima 2 église catholique na ECC ba vota ka été mais par après ba yaka kondima choix wana parce que ba yaka koloba ke face na expertise ou ndoko kadima zana yango ba correct de ce que zana na choix te fallait kaka azala wana to kenena ba élection. Ça voudra dire que tu sais que dans ce cas-là, qu'on place Kadimate. Kadima baza ba confession religieuse n'est pas désignée. Tu as place wana. En quoi il est devenu Motunaye? En quoi il est devenu l'homme de ses mains? Ah, mais tu Kima. Bango moropé, tu as pouvoir. Et tu me souviens que Azala qui est un peu plus proche de la famille politique et chef de l'État. Et l'allégation en est salimi mouaming. Un peu plus proche en faisant quoi? En quoi faisant? Na ébité. Na ibite, ça veut dire que ce que vous avez au Congo, ce qui boyebani, bosololi, ce qui lobby lobby, la corporation ya UNPC, ba PC au poste, nga na chef de l'État, na kosi, ce qui naza, ce qui pouvoir ya kwanterine, ils ont revenir nanga, na ko kwanterine te parce que bato bakolo bake, pourquoi ils ont enterriné kaka ndeko Naomi, et que le bama bongo, ou bien na ko banga ke bato balo bongo te. Ceux qui na corporation na bino bo décider bo lobi za Naomi bo memelinga yango ata soki nga na yebali na Naomi ata soki to yebana ki ya 30 ans parce que to za ba congolais to ko ki ko yebana ata soki to yebana ki ya 30 ans je ne vais pas m'empêcher ya ko signer ordonnance parce que ceux qui na signé ba congolais ba ko le banon mais ceux qui bo ya rappeler ko signer ordonnance wana alinga ka violer volonté ya majorité ya ba confession religieuse. Ça veut dire que hier, c'est comme que Zamboka linga qui a imposé ma confession religieuse, choix na bongo wana linga ka violé mibeko ya mboka. Et linga ke za la malamoté. Oye salema esa volonté ya ba confession religieuse. Et ça la ka jamais petit côté ka la jamais koza la volonté ya mboko ya mboka. Parlons de kit électoraux na première ère déjà tout mon aki problème ya ba machine. Un problème au moment que s'est posé machine et au kangama pas en pamba couré zate. Moi je me suis retrouvé un jour na centre moko machine et kangami bo senga batu ba ndo fouta ba mbongo po ba somba carburant. Là je l'ai vécu moi-même personnellement les loyo na Kinshasa déjà et bande ko poser problème du côté charge, du côté machine et au kangama, du côté machine moko koufi, peut-être besoin de 3 machines, mais balé koufi et kali moko, et ça dans centre, mais sous machine, yon se koufa, 2 semaines, 3 semaines, et fin dit bon. Lelo, toke na 3e heure, toke na 2e heure, réussi et bandaki, kuna obisika koure za rakati. Comment est-ce que ko salem? Est-ce que vous avez la possible? Est-ce que ma disposition yon so, et j'en mieux tant que mon pandisamon, dengue yon so mon yon. Enrôlement na katia ba province ya RDC. Likamoro lobi ya ba machine. Ngana ebi ke la machine eza wana eza plus sécurisé eza kitoko makasi koleka ba machine to salela na 2018. Yango ngana ebi. Ah bon? Mais bon, qu'est-ce qui pose problème? Ce sont des machines plus sécurisées, mais machine ekoki aussi la charge. Machine basala yango te pour que zala na charge durant période nyo soza ko sale la te. D'abord machine yango moko za na autonomie à 7 heures. Au-delà ya autonomie ya machine, c'est né à disposer qui na ba centre d'inscription nyo sou ba panneau solaire. Ezali. Ba panneau solaire ezali. Na ba centre misou sou ba groupe électrogène ezali.
Donc, ce qui machine, et si les panneaux solaires sont allés, bah, on travaille. Donc, il y a un problème, c'est que les machines sont allées et puis le centre est allé pour les machines. Est allé. J'espère que vous avez été sur terrain. C'est ni à tchan à disposition. Il y a un centre d'inscription, un panneau solaire, un groupe électrogène. Ce qui machine et s'il y charge. Chef, il y a un bureau. Bazana ba panneau. A cause de ma panneau, tu es à la disposition de technicien. Va brancher, va travailler na yango. Par contre, quand il y a un groupe électrogène, va travailler na yango. Moi, j'ai vécu ça. Ba centre belé. Courezate, machine ici l'autonomie, ba utiliser. Ba groupe électrogène va travailler. Ba utiliser ba panneau solaire va travailler. J'ai vécu ça na na ba centre belé. Les mêmes mécanismes que ça les mappé na ba province. Si y a monde ça, ils ont salé ma partout. Ils ont salé ma Kinshasa, ils ont salé ma partout. Et surtout, dans ma province, ne pas renforcer technicité ou dans ma casse. Parce que dans ma province, mais sous ma difficulté à courant, ils ont pensé ma casse. Différemment de Kinshasa, quand même, na accès, y a moins bien na courant. Mais na province, donc on a des difficultés, on a, et ça dit, ma casse, on dit, renforce ça, casse peu. Donc, on voit que la province, bon, on a un groupe depuis ton type, on a un bon groupe, Il y a un groupe depuis ton type, parce que machine, il y a un groupe en autonomie. Il y a 7 heures. Ça veut dire que ceux qui font le centre, na 8 heures, ils ont 7 heures. De salut 8 plus 7 et aux orbites 15. Dans 15 heures d'autonomie, il y a machine et coquille aussi là. On a des bacs recourir dans groupe électrogène, bacs qui recourir dans panneau pendant qu'on fonctionnait. Et ça, que les canets bongo dans le centre. Là, que les canets bongo. Moi, j'ai eu à vivre ça. Moi, j'ai vécu ça. Dans comment rendre au Namika qui est là, dans Kinshasa, j'ai vécu ça. Na Congo central, na comment rendre au na mekaki ko sala na Matadi pe na Mwanda na Songolo lope. J'ai vécu ça. Tu as remarqué que aux côtés la scène mais est-ce que aux autres temps aux autres temps na Balamboka aux autres temps aux autres na Balamboka pour n'oyer ba na côté la sénité na côté la sénité maintenant ko lo baba réalité. Oui, ça dit que c'est passé sur terrain. Mais on pas ça aux autres temps aux autres na Balamboka pour ba biso ba problème bazan na ngo. Dans les campes d'Italie en roulement. Le problème est que parce que nous avons un bateau basé, qui est dans le centre, accueilli à Zucart, à Bémi. Le problème est que nous avons commis à Zucart, qui n'est pas à Zongi. Surtout à Kinshasa. Mais sûrement, il y a toujours une file à bateau basé, c'est là. Parce que le bateau basé est belé, tout ça. Le problème est que nous avons un bateau. Dans Kinshasa, on a à un certain moment, bah, policier, bandari kosinga, bon, encore, il faut savoir que, il faut le dire, policier, bah, lié na sénité, bah, bah, lié na l'inspection, bandari kosinga, bah, 5000 francs, pour que koti sa rabato, dès ma faveur, mon reboye, pour que koti sa luna centre, ou s'enrôler, c'est quelque chose qui. Je crois qu'il a été stoppé avec l'implication à l'autorité, à CNIP et à la police. Difficulté, ils allaient qui Oyoana. Ils allaient qui Oyoana. Et à un moment donné, Batoabano se plaindre que Opes, Batoabano Salam, ça l'a bien été. Mais CNIP a chaque politique moko en place. Un ou deux fois, je suis allé dans siège national et à CNIP. Ah, on a comment. Na kuta ba jan ya senite. Ba onyo so ba panzana na terrain. Ba panzana na terrain. Pourquoi ba panzana na terrain? Ba kende kota la nengeni le processus et zali ko se déroule na ba centre d'inscription. Donc c'était une stratégie mise en place pour na kokoka kope sa solution na ba différentes difficultés aux populations à Bandara ko se lever à l'époque. Ya onye na yebisio que première ère opérationnelle et serveur qui s'est mis, une ère pilote. Essaye.
ya essayer ba difficulté nyonso ba rencontrer et servir bango des leçons pour que ba koka ko améliorer yango na deuxième ère. Et je suis sûr que la troisième ère, donc on va rencontrer la même difficulté. Parce que, tout le monde, des erreurs en amélioration, tout le monde, en amélioration, tout le monde, perfection. Très bien. Troisième ère opérationnelle, il y a une situation sécuritaire à l'est de la République. Que ce soit Bongo, Bazouele, Ozouele, Ituri, Chopo, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, Canada, les États-Unis, Libanda, Mboka, Pona, la diaspora. Troisième ère, il y a troisième, il y a un génie. Vous pensez que cause à la possible, malgré que le gouvernement, il y a un rassuré, il y a un fin fond, surtout que tu as dit que Nord-Kivu, il y a ici comme encore ils sont beaucoup plus occupés na bayo au basso bundi sabay ennemi amboka. Est-ce que c'est possible de combattre kuna pour na contrôler bato? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, c'est l'État qui sécurise le peuple, c'est l'État qui lutte pour sécuriser l'intégrité territorial Nabisso. L'État n'a zawa n'a pas sécurisé ba bien Nabisso. Bisso, toi n'a pouvoir à mon côté. Ce qui bato ba ko sécuriser Bisso. Bato ba zali pona ko sécuriser ba bien Nabisso. Baza ko garantir Bisso que les opérations d'identification et enrôlement et que se déroulent bien la partie est parce qu'il y a on est. Et ça des sujets à débat et que se déroulait bien. Moi, je ne vois pas pourquoi nous allons nous tracasser. Même si j'ai suivi société civile il y a Nord-Kivu, Bazali ko Bengaske, Bakokako, sale enrôlement, Kounate. Mais je me dis, c'est pour quelle finalité? Mais justement, comment savoir c'est qui pour, est congolais, qui ne l'est pas? C'est pour quelle finalité? Mais déjà, il faut dire que. Bah, là, ça qui est en haut déjà. Le président Denis Kadima a lancé les opérations hier, jeudi, dans la province de Tchopo. À la ça qui est opération. Ça veut dire que là où il y a de l'insécurité, l'État va s'imposer. Et on s'appuie jeter pour l'État. Comment savoir, comment distinguer qui est congolais et qui n'est pas. L'État va rétablir de l'ordre pour que les Congolais soient enrôlés en bonne et due forme. Qui est congolais qui ne l'est pas? Matoye Baniti. Nabilongi? Toye Bani. Non seulement Nabilongi. Nenge tova na kaka na bakarte wana. Toye Banarati. Quand on dit qu'il faut voir 5 personnes, il faut témoigner, il faut déjà dans la carte des lecteurs, il faut témoigner, il faut dire que c'est congolais. Ça va aider, ça va faciliter la tâche. Vous pensez que 5 Congolais peuvent venir témoigner que c'est congolais alors qu'en réalité il n'est pas, il est rwandais. Et que ça le matin. Là, c'est ce que vous pensez ou c'est ce qui va se faire? Et comme ça, les matins, parce que les Congolais sont jaloux de leur souveraineté. Bissot, les Congolais, tu as dit que Rwanda n'a pas de sa Bissot. La preuve, c'est que, vous avez vu comment on a, nous sommes en Congolais, ils ont été soulevés, ils ont été soulevés, ils ont autorisation pour que Bakota va traverser, Bakota na Rwanda, dans ma colo, va qu'il ko bunda. Et tu me dis que c'est cette population-là. N'a qu'à favoriser pour que les Rwandais aient une carte d'électeur en Abisso. Et que ça les mate. Et que tu as rappelé que ça les mate. Le processus sera transparent et crédible. Et que ça les mate, seuls les Congolais aient une carte d'électeur. Et puis ce que ça les mis. Et que ça les mate. Et que ça les mate. Et ils seront supprimés des fichiers. Et quoi, il y a un raka kali kambo, bon, manakate. Bako supprimer, bah, mon affiché. Mais nga na za rassuré qu'avec les dispositions
mises sur pied par la CENI, les dispositions mises sur pied par le gouvernement, et que si on a enrôlé, non, Congolais étaient seuls, les Congolais seront enrôlés. Très bien. Puisque nous sommes à l'est du pays, parlons de cette situation, l'agression rwandaise dont fait face la République démocratique du Congo. Mbokana biso depuis un certain temps, tous avez connu comment Nabanguna ou Bazali Kobundisa biso, Tongo Pepo, Kouaban Mboka, et Zali Kosa la passe Makasi. Mais le lot omi Tuni Montuna sur la guerre médiatique, Moussala ya média, Moussala ya Bapandisango, Moussala ya Bapolitique, Nali Kambetali Bongo, guerre na Est, et Zali Solo Penzani. C'est ça que Kopekisa ba chaîne rwandaise pour émettre la Kanakane plus la République démocratique du Congo, Bandeko Balobi. Est-ce que c'était important côté média? Quelle est la place du média? Rôle ni média zo joué? Tout ça, de comme Pandisango, Simeo, Isako sur le plateau, moi l'amboka, rôle ya média, na makambo onion. Est-ce que c'était important pour qu'on ait une chaîne rwandaise, impact nango, na vie, na biso de tout le jour, et anime? Bon, d'abord, il faut essayer de dire qu'il y a mesure, il y a réciprocité, c'est ça, Azoaki. Parce que il a été constaté que na Rwanda ba bandaki ko brouiller ba chaîne na biso ba message na biso kuna na Rwanda bandaki ko komater. C'est une politique mise en place par les dirigeants rwandais pour que message na biso ba congolais et comme konaté et kota na mitu ya ba rwandais belé ba yebate ke Kagame aza sanguinaire, ba yebate ke Kagame aza yende aza ko quoi agresser RDC, même si tous les Rwandais savent que Paul Kagame est un sanguinaire, même s'ils savent que c'est un tyran, même s'ils savent que c'est un, je peux me permettre de les dire, c'est un psychopathe, ils savent que c'est un monsieur comme ça, ça n'a pas défaut. Et donc, il fallait cette mesure-là, la cadre de réciprocité, pour que le message n'a pas été écouté. Comme pas na bisoté le col ya biso et je comment et pas na bango té parce que aujourd'hui les médias ont un rôle capital à jouer dans la société tout en la classe que médias ils ont la trois rôles: informer, former et divertir. C'est lui qui a l'information à le pouvoir. Ce qui Rwanda, biso tozo kokako koma na Rwanda te. Mais Rwanda azo koma pa na biso. Na ba message. Pona ko désorienter opinion na biso. Pona ko désorienter opinion ya ba congolais. Pona ko ko sa mbutu mbutu. Na mitu ya ba congolais, il prend de l'ascendance sur ba dirigeant na biso par rapport à la gestion ya crise na mitu ya ba congolais. Les Congolais, les dirigeants n'avaient pas se plaindre ma casse. Les dirigeants n'avaient pas besoin de leur côté. Est-ce qu'il y a une chaîne rwandaise à l'Obaki? Il y a un problème. Il y a toujours des indécis comme ça qui peuvent se faire facilement manipuler. Balandi opinion wana. C'est pourquoi la guerre étant aussi médiatique, il fallait qu'on ait un bon. Et Oyo et Salema. Les médias, c'est une puissance. Parce que, place, on a eu tout ce qu'on combattait avec la télévision, avec la radio, avec les médias en ligne, avec les réseaux sociaux. Message et comment? Très facilement. Puissance, il y a médias, ils ont place ou non. Avec les médias, on peut brûler le monde. Puissance, il y a médias, ils ont place ou non. D'où la guerre devient médiatique. Il faut faire comprendre au monde que Rwanda n'a pas de problème. On ne peut pas entrer de faire comprendre au monde que Rwanda n'a pas de problème. Tout ce qui est appelé média rwandais, va accéder à un territoire en Abisso, va passer un message dans le territoire en Abisso. Il y a un moment tout récemment, dans l'Est, va brouiller le signal, il y a une radio. Radio Top Congo, parce qu'ils l'ont compris. Ils l'ont compris, comprendre que
et sengeli to kata accès ya ba media congolais na ba zone ba on ba ko contrôler parce que population a za place wana a ko risquer na ko yoka ka ba message wana a ko risquer se révolter contre bango et puis affaiblir bango davantage tant que ko ba faire de ces bakoya ba mangancha en sandwich ba néantir bango et donc les médias c'est une puissance yango wana Rwanda a compris qu'il fallait brouiller biso et nous aussi à notre tour par les trichements du CSAC to karaki bango et puis tu vas continuer pour ça là bon. Mais c'est bien de le faire, mais est-ce que Bissoma qu'on interne est toujours porté voix il y a RDC le Lengue Sengeli Bissoma média congolais. En tout cas, c'est pour la première fois. Na koka komo na ba média congolais koka ko se mobiliser. OK. Na niveau Oyo pour na lutter contre agression rwandaise. On a vu tous dans ces pays na 2013 Tango M23 agressa qui biso sous régime ya Ndeko Joseph Kabila. Il n'y avait pas cette volonté collective. Ya kolinga ko participer pour na ko bengana munguna. Il n'y avait pas cette volonté là. Les médias ne se donnaient pas pour na ko participer ko bengana munguna. Les loba médias ne sont pas radio. Télévision, presse écrite, médias en ligne, bah réseaux sociaux, bah influenceurs web, batonnions sur les lots. Tous ceux qui sont des canaux par lesquels message et coquille coléka se mobilisent pour faire entendre la voix des autorités, pour faire entendre la voix, ya. Il y a bafard de ces nabiso, bao bazan na front, bao ba ko bundi la biso. Pour nous faire entendre voix ya mokonza mboka au niveau international. Pour que mindele pa grande puissance ba ko koyé baké, nous sommes agressés et il faut baya ba accompagner biso pour que tokoka ko kotinda ennemi libanda. Et donc côté wana nazali komona eloko ya kokoka ko reprocher té parce que nazo monana ba media misusu ba o bazar proche na opposant tel proche na tel opposant ba onyo so bazan mobiliser parce que kaka ninge na lobaka yango on ne fait pas des politiques sans terrain. Il n'y a pas de politique sans terrain. Que dire de journalistes terrain et sa République démocratique du Congo. Ceux qui va botoli biso terrain, va botoli biso RDC et pas va mouna na biso. Katumbi, Tshisekedi, Fayulu, Kabila, Olive Lembe, va roué ba kosala politique té parce que Olive Lembe pas comme un politicien. Va roué ba kosala politique té. Ba média na bango wana et ko ko mettre té parce que ba si ba botoli biso terrain et d'où on a intérêt à conjuguer nos efforts pour que tu ko là d'abord terrain tant au mumuna ko ya attaquer biso pourquoi ça terrain to se liguer to bonina mumuna to bengani to battre terrain la dispute na biso à l'interne to tika la kolande la yango un peu après ya onde za ko sale masiko même si na décrit rapé ernyoso les silences coupables ya ndeko ndeko Katumbi oya zalaka incapable jusqu'à ce stade ya redenesse Kagame na Rwanda na ndeko Kabila bon to mitu na kasho ke zalaka bazo balobela ka agression rwandaise quand même lor ya Katumbi atika le lobela yango te Kabila atika le lobela yango te bon ba on ba pona silence na ebite pona nini comme si soki le lo ba botole biso Congo. Le vivre na Congo bon on comprend c'est normal pour na bato baza na ba nationalité belé ba ko botola biso Congo akina ya ko vana na Zambie ko vana na Belgique ko vana na Tanzanie un peu partout tout ça comprendre. Mais du côté gouvernement, du côté communication, vous pensez que le gouvernement fait quand même de son mieux pour que voie à Congo et Yokana. Est-ce que nous tout ça bon, sur le plan interne côté, sur le plan communication côté gouvernement. Moi, j'ai apprécié la communication de Patrick Muyaya quand on a visité à Pape. Quand on a visité à Pape. Ah bon? Ouais.
Et ça, la période où on est dans la Yoka qui a communiqué. Peut-être parce qu'il était épaulé par l'Église catholique qui communique aussi mieux. Peut-être parce qu'il était secondé par l'Église catholique. Mais sur la question de l'agression. Mais sur la question rwandaise, je ne sens pas une communication à la taille d'un ministre de la communication porte-parole du gouvernement. Mais comme ils ont dit, ils ont dit, mobilisation, ce sont ça les Vous sentez, il suffit de voir, tant à ce ça le briefing, encore que, ce cas ça le briefing, dans mon rendez était si limité. Quand on a RTNC, tant que si l'IP est si libre, tu vas bosser en haut. Parce que je suis convaincu que les Congolais sont les balandaka yangote. Il suffit de voir, Sora Bengi, collègue naïe ministre, l'exemple le plus pratique, c'est celui du tout dernier briefing avec Christophe Lutundula. Taron Abano, le Bela Makambo, il y a Kor, il y a Bujumbura. Je vais dire communiqué, il y a Bujumbura. Fallait voir Nengenini Lutundula Bandaki Koloba. Lutundula parlait avec précision. Même dans des moindres détails. Abandaki qu'on s'imposait, vous sentez qu'il y a un ministre d'État qui maîtrise la question. Nasanakata Koloba. Mais Mouyaya, Azomema, on est kaka, hein? Bon, en fait, il y a. À ce limite, il y a un mingi dans l'aspect informatif. Netikakaye pour informer, à informer Bino, pour poser des questions, à répondre Bino, pour la journaliste, à quoi il faut répondre. Mais en tant que chargé de communication au gouvernement, l'aspect où on n'est pas naïf, ils en ont noté. Il y a un aspect information ministre. Tochela est un ministre de l'information et de la. Tochela a un aspect information. Il y a un aspect où on a information. Mais un aspect à communication, mingi, il y a un yangote. Il y a yangote. Il y a un yangote. Il y a un yangote. Il y a un aspect où on a communication, il y a un yangote. Surtout en cette période de crise. En cette période de crise. Il a fait son temps, il est parti. Mais on peut quand même les citer pour référence. Tu prends la mère Mende, tu les places là-bas. Ça ferait les affaires. Ça ferait les affaires. Le Rwanda serait bougé. La communauté internationale serait revenue très vite. Mokozambo kazaku bundaye moko, na lutundula, na batomisusu. Ba communicateur, na batomisusu. Kazaku bunda, mokozambo kazaku bunda. Encore que le chef de l'État communique mieux sur cette question-là que le porte-parole du gouvernement. Bon. C'est logique que les chefs communiquent mieux parce qu'ils maîtrisent aussi mieux la question. Aujourd'hui, Motoneti Thierry Mosenep, où tu as une place à Mouyaya, dans un moment où il va mieux communiquer. Il va mieux communiquer. Mais vous pensez que à communiquer, oh, il y a beaucoup de gens qui ont communiqué, ils ont un gouvernement. Oh, il y a un gouvernement. Mais pourquoi? Par exemple, Betty, Soko, il y a un gouvernement. Communiquer. Et où est un gouvernement? Pourquoi Makambo, oh, le Tundu, la Bandaki Kolo. En fait, Makambo, le Tundu, la Bandaki Kolo, il y a un gouvernement. Pourquoi le Tundu, la Bandaki Kolo, il y a avec force et conviction? Mais il y a ça que le bandit a ça convaincu que na makambo yo a ça que bimisa na monoko. Après c'est sa façon de parler qui pose problème. Je n'ai pas dit c'est sa façon de parler, mais nazali na koloba que il est simplement informatif. OK. Il n'est pas dans l'aspect communication. Et singela tenir compte d'aspect wana, il faut abanda ko communiquer. Il doit pas oublier que c'est une communication de crise. Mboka, ils ont agressé. À la Moka, à Zakolala.
Très bien. C'est la fin de l'émission de ce jour, mais Ngui Webisabiso, gérance, il y a situation sécuritaire, puisque tout ça en Est, c'est un problème et ils ont persisté jusqu'à ces niveaux, puisque tout ça okay, vers les élections, gérance, il y a situation au depuis tout bandit, okay, bah, sommet, tout ça en EAC, force régionale, bah, manifestation. Ce qu'il faut aujourd'hui, on a dit bokeh, est-ce que gérance de la part du gouvernement, Namo Bimbalango, et ils ont simba pinza dans la période de la crise? Ezo Simba. Ezo Simba. Et bien pourquoi on a le Bezo Simba? Ezo Simba parce que mon Konzambo Kaza inscrit dans la logique moko. Logique, il y a Kokoka pour mettre définitivement fin dans les Kambo Oyo insécurité dans l'Est. Les Kambo Oyo ya M23. M23, Abandaka, Ayaka Nambo Kanabiso Afdel. Ah bon? M23 Afdel, rapport aux années. C'est là. Bayaka loko la Afdel. Parce que ça n'a été que ma cabine n'est pas considérée sur M23 dans beaucoup. Bayaka loko la Afdel. Balongo ba Afdel, ba komi ba RCD. Bah ça vous changez ka ba combo. Balongo RCD, ba komi CNDP. Balongo CNDP, le lot, tout ça na M23. Hein? M23, 1, c'était sous Kabila. Les deux tournent dans M23, 2, sous Tshisekedi. Ça voudra dire quoi? Ça veut dire que ce qui Félix Tshisekedi a ligné à gérer crise au local de Kabila gérer Kayango. Ce qui est accueilli, président Moussou Soye a remplacé M23 qui surgir les sous à Kolongana comme M23, peut-être à cause de comme Moussou. Et donc, la situation de l'insécurité dans l'Est est cause à la résolute. Pas cause résoudre la résolute. D'où il faut que la logique, il y a définitivement fait la insécurité. Il y a un lobby, il y a M23, il faut négocier. M23, c'est le groupe terroriste. Est-ce que il y a un négociateur qui est terroriste? Il y a un négociateur qui est à ça comme il y a une logique wana il y a qu'on faire entendre dans mon kili mobimba qui ah ouais pas nanga nazana ba terroriste parce que les terroristes pour les combattre ce n'est pas une affaire d'un seul pays ba pays ba sangana kakaka ba pays sangana kakaka pour combattre ba terroriste même les États-Unis d'Amérique ba sangana kakaka. Attends, en Afrique, G5 Sahel, Sangana, tout le monde a Burkina Faso, Tchad, Mali, mis ça la bloc. Mais ce partenaire, mis ce banane. Pour combattre les terroristes, la région de Bango. Mais ce qui pour combattre M23, qui est du reste un mouvement terroriste, tous les apports, il y a le pays Afrique de l'Est. Il y a un autre qui a bien EAC. Parce que c'est sûr, ils ont porté sur le résultat. Résultat, à ce stade, ils ont noté la ligne de la cause de la. Je crois que même le gouvernement, par moments, a décrié comment hypocrisie et ils ont collé. Parce que n'oubliez pas que la guerre où ils ont est, c'est une guerre économique. Et bah, tout le monde a bénéficié de l'exploitation illégale et de minerai à est. Et donc, il n'y aura pas toujours de sincérité dans Oezako Salima. D'où, chef de l'État, le gouvernement, il est vigilant dans Makamounio sur Oezako Salima pour que, attention qu'il y ait sincérité, mais bis objectif, il y a un pays Ezala atteint. De Yango, Ezala Katia, Yako Salima. Donc, il y a une solution, il y a un pays qui a un pays qui a un problème. Il y a un pays qui a une solution. Il y a une solution, et pas un pays qui a un pays qui a un problème. Rwanda n'a pas repris sa biso, ma problème. La force y a EAC, Rwanda zati. Et ma force, ba officier ou ba longola qui wana. Ba ngo bazalakane na kije, mais la ligne de front, ba militaire rwandais bazalakate. Mais tant que monique ma kamoura ko tambo la bien te, tu décides pe ba longona kije, ba longwa kana kije. Ba longwa kana kije. Et donc, ba ou baza ko agresser biso, baza ko faire partie à. Il y a équipe pour résoudre la solution. Donc pour vous, démarche ces amalamu, ni on se zo kende malamu et question ezali na baye baso mon chef de l'État zo voyager mais diplomatie na ezo apporter le retour. Ezo apporter le retour na nini?
Parce que ce qui est diplomatie, na ye, et même à quel côté, les toutes les grandes puissances du monde n'auraient pas condamné les Rwandais, n'auraient pas appelé les Rwandais à arrêter soutien na ye, et pas à M23. Diplomatie, na ye, ça marchait bien. Les lots RDC a commis, considéré, écoutez, la concert des nations. Ouais, n'abord que le bac diplomatique, ça qu'on marchait bien. Diplomatie, ça qu'on marchait bien. À peine aïe n'a pouvoir a commis président de l'Union africaine, a commis président CEAC, a dirigé l'organisation Belay Afrique. Pour que le bac diplomatie, ça qu'on marchait bien. Diplomatie, ça qu'on marchait bien. La RDC n'a bambou la main mouko Alexis n'a pouvoir à recevoir combien de chefs d'État, combien de rois. Pape aïe, alors que pape. Le régime de Kabila Boyara Koya, à l'obac avec Kabila, ça ne va pas. On ne peut pas dire que la diplomatie a marché bien. La diplomatie a marché bien. Et ça a été le bien au Congo, aux opposants, pour nous critiquer. Mais dans le monde, il y a un peu de l'Italie sociale. Rapidement. Parce que, avec le président Félix Tshisekedi, c'est le peuple d'abord. Le peuple d'abord, ils ont collé, ils ont ma camarade classe, on a eu du colo belawa, ils ont ma camarade sécurité, ils ont le ko bunda na yango. Na colo baké lobby oeliki jeudi, gouvernement congolais par l'entremise et un ministre de la pêche a signé qui contrat pour la construction et livraison de 15 bateaux de pêche. Na entreprise espagnole Areza. Et puis les établissements Yetou, établissement congolais, bah, ça, on travaille en partenariat avec les Turcs. Et donc, signé contrat wana pour qu'au bout, il y a 5, 6, 7 mois, maximum 8 mois, l'entreprise wana et qu'on a commis là-bas congolais 15 bateaux de pêche. Tout ce qu'on étape, il y a pêche traditionnelle, tout ce qu'on étape, il y a pêche industrielle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et donc, c'est une bonne nouvelle. Le ministre de la Pêche, Adrien Bokele, a signé le contrat Wana Lobby. Wana et sa vision, Yamokonzi, Yamboka, le peuple est d'abord. A l'obaka na kinkola, a l'obaka na ba pêcheur, qui a zoa qui font mola, Yakosi Lisa, Zala. Et puis, sans Yaba Congolais, sans susciter. Suite, Yangoyo. Ok. Mokonzamboka sera lobby à réaliser. La gestion de l'État, ils ont été le cola, Tojiraka, Banda, qu'on a mis sur la boutique, t'es. C'est planifié, c'est programmé. À l'obaka yango depuis année wana. Les lobbies va signer le contrat. Dans au maximum 8 mois, babateu koya. Très bien. Ça s'est concrétisé. Concrétisation yango wana. Réalisation yango wana. Nebi sotwa kolobake avec Tshisekedi. C'est le respect de la parole. Le peuple d'abord. Toi qu'on remercie le gouvernement pour les locaux, ministre de la pêche et élevage, Adrien Bokele. Toi qu'on remercie le pays Yemoko. Chef de l'État, je pense que l'acquisition de Babato de Pechouana, ça va aussi faire partie du bilan positif Yamboka pour que dans 2023, les Congolais puissent payer un nouveau suffrage pour qu'on remplisse pour un deuxième mandat. Très bien, merci beaucoup, monsieur Simayo Isaac. Je vous trouve beaucoup plus un communicateur de l'Union Sacrée que journaliste. Je suis journaliste. Vous êtes journaliste, malheureusement, de quoi monsieur soit rejoindre à Bissoté, mais il y a un échange entre patriotes pour Nangolobelamboka Congo. J'espère que nous avons source sur Malobasouk a été produit déjà Malobasouk Anayo. Au moins, c'est une bonne nouvelle de quoi Pessi Bisso. J'espère que Ewokokisamapo, Poisson Bissi, Anamibi, sur le suite, et puis ça m'a été depuis Balongo. Là, bon, suite et puis ça matin, mais oh, et ça que trop banasco collé un bisou bisou mort aux une na ba fleuve na bisou na ba nini ba océan tout ça, c'est là la bonne nouvelle. Et puis négociation, c'est salimi na ba pays moussous net bangola pour que babato ane eko karapé kokote pa na bango to pêcher pa na bango. Selon ce que salimi dans 8 mois et ça octobre, novembre, année prochaine, année haut, c'est que la qui c'est que tout comme à décembre on a dans le but dans 8 mois et ça les maximum, ok, mais. D'ici 8 mois, ça veut dire qu'au 4e, au 5e et au 6e mois, déjà, Bakobanda a livré. Les 15 unions, c'est qu'au cylindre dans 8 mois. Mais Bakobanda a livré. Bah, c'est d'ici 2, livré. Et il y a un appel. Au moment où je pense qu'il a inauguré Yango, le ministre de la Pêche a inauguré Yango, le Premier ministre a inauguré Yango. 3 et il a inauguré. Mais 8 mois,
Très bien. Merci beaucoup. Voilà, beaucoup de gens qui sont partout dans le monde. Ils sont qui pour la Congo. Tous ceux qui sont des Cosméon. Issa Kwazali, journaliste. Mon pensée est en Congo. C'est mon ami, c'est un raté. Et belé pour vous. Et bien que vous avez belé pour la Bissot de partout dans le monde. Merci. Tolinga Congo, Totonga Congo, Tobati la Congo. Et Mingi Tosa et la Congo. Le Congo. Avant tout, on se retrouve la semaine prochaine. N'a pas invité, monsieur, mais toujours. Avec le même plaisir, beaucoup bah au comité la biso, beaucoup sa biso ma canisina bino, na o itali bongo, mboka la biso, babila ba koko na biso, République démocratique du Congo. Au revoir. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lema, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.